Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ressemble une de mes séances concrètement. Parce que oui, depuis la FAQ et depuis d'autres vidéos, je t'ai montré un peu comment je m'entraînais. Mais je t'ai pas montré dans l'ensemble à quoi ressemble une de mes séances poids de corps. Ben oui, et aujourd'hui, je vais te le faire. D'accord? Parce que là, on est le début de semaine, alors je fais cette vidéo. J'ai passé un bon week-end, mais avant d'être en week-end, j'ai fait un entraînement de fou. D'accord, le vendredi là, j'ai fait un entraînement de fou et je vais te le montrer. Alors, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'arrive pas à faire que du poids de corps. D'accord? Ça veut dire que je fais toujours un peu de muscu, que ce soit un peu le dos, un peu les pecs, un peu les bras. Je fais 2-3 exos et après je fonce au poids de corps. Parce que oui, en fait, quand je vais à la salle et je fais que du poids de corps, ça me frustre, tu vois. J'ai besoin de faire un peu de training, soulever un peu de poids pour me sentir bien. Ok? Donc, j'ai pas filmé ça, j'ai juste filmé mes élévations latérales, parce que j'aime bien faire ça à la salle. J'aime bien faire des élévations latérales, tranquille, histoire de bien me chauffer les épaules et bien me préparer. Parce que quand je fais des burpees, quand je fais des pompes, il se peut que j'ai un peu de douleur aux épaules. Et pour moi, la meilleure façon de se chauffer les épaules, c'est de faire des élévations latérales, pas très lourdes. Bien évidemment, tu peux faire des rotations tranquillement avec les bras, histoire de bien chauffer les épaules, mais les élévations latérales, pour moi, me mettent bien. Donc, essaye de faire 4 fois 10, 12 ou 15 répétitions tranquillement, 1 minute 30 de repos. Ensuite, je fais un peu de stretching pendant 5 minutes avec le bâton. Je sais pas si c'est du stretching, mais j'ai déjà vu ça. J'ai vu un mec, il a fait ça, il a dit stretching. Donc, comme c'est un Américain, je me fais, il a raison. D'accord? Parce que les Américains, ils ont toujours raison. Donc, voilà, je m'échauffe un peu. J'échauffe aussi les épaules tranquillement. J'essaie de tourner, j'essaie de pivoter. J'essaye de me mettre bien. Et ça me fait du bien quand je fais ça. C'est oblique un peu, tu vois, quand je fais les rotations de gauche à droite, mais ça me fait du bien. En fait, quand je fais ça, j'ai l'impression que je fais un entraînement de fou. Je sais pas pourquoi, mais je le fais pendant 5 minutes, le temps de mettre une musique ou deux que j'aime bien, histoire de bien me mettre dans ma séance. Bon, les gars, là, ça s'est bien passé. Là, j'ai fait 4 fois 30 répétitions en pompe, assez dynamique, d'accord? C'est un truc que j'aime bien faire, tu vois. Les pompes, c'est un mouvement que je maîtrise, c'est un mouvement que je kiffe. 30 reps en pompe. Ça peut te paraître beaucoup, mais quand tu as l'habitude d'en faire, c'est facile, d'accord? Moi, quand j'avais repris les pompes dernièrement, je trouvais ça hyper dur, mais de base, je suis très fort en pompe, d'accord? Et le corps, il se rappelle de ça. Donc, quand tu fais des pompes pendant un mois, là, c'est bon. Les pompes, là, je peux en enchaîner au moins 100, je pense. 100 ou 80, 90, sans m'arrêter. Faut que tu fasses un test, faut que tu fasses une vidéo pompe maximum sans m'arrêter. Je vais voir ça. Mais 4 fois 30 répétitions en pompe avec 1 minute de repos. Et oui, 1 minute. Juste après ça devient intéressant. J'ai fait des burpees, mais j'ai fait deux pompes. Double pompe, burpees. C'est important, tu vois, les burpees, je commence à maîtriser le mouvement, ça commence à être facile, ça commence à être simple pour moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas donner de la difficulté à ce mouvement-là. D'accord? Sachant que de base, le burpees, tu te jettes au sol, hop, tu te relèves, tu sautes. Ok? Mais là, je me suis dit, je vais faire deux pompes et une burpees. Là, c'est bien. C'est très, très bien. Ça fait du bien. Ça fait mal. On est là pour ça. On est là pour s'entraîner. Donc, 5 x 10 avec 30 secondes de repos. Tu vois, les 30 secondes de repos, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Arrivé à la quatrième série, troisième série, là, les burpees, j'ai pas la même coordination, d'accord? Je mets un genou au sol, hop, je fais ma pompe, je remets un genou au sol, je me lève, d'accord? C'est un peu plus dur. Mais le plus important, c'est d'aller au bout, d'aller à fond et de se faire mal. C'est important. Bien entendu, là, je te montre comment moi, je me sens entraîné, ok? Parce que je sais que j'ai des frérots qui vont dire, ouais, j'arrive pas, je suis frustré et tout. Si t'arrives pas, fais juste une burpees, d'accord? Une burpees simple. Tu vas au sol, pompe, tu te relèves, burpees. Ou alors tu jettes au sol et tu remontes. Dans tous les cas, je te prépare une vidéo. Mais cet exercice poids de corps, d'accord? Pour bien perdre du poids, c'est important, ok? Comme je l'ai fait pour les autres groupes musculaires, là, je vais le faire avec ça, là. Tu vas kiffer. Ensuite, les gars, on arrive à un circuit de fou. Un circuit qui fait mal à la tête, qui fait mal au pec, qui fait mal au bras, qui fait mal partout. C'est un circuit burpees 1 à 10. Alors, ça, pas de nom. Moi, je l'ai appelé, comment? Burpees push-up 1-10. Important. Tu fais une pompe, une burpees, deux pompes,
une burpees. 3 pompes, une burpees, jusqu'à arriver à 10. C'est un circuit. D'accord ? Tu fais ça une fois, sans temps de repos, sans rien. Ça fait mal. D'accord ? C'est là où tu vois si tu es performant ou pas. C'est là où tu vois si tu tiens ou pas. C'est là où tu vois si ton endurance musculaire, elle est là ou pas. Et ça, c'est important de faire ça. Tu te challenges, tu te mets bien. Et je sais pas, le fait de faire cet exo-là, bah, je me sens bien en salle de sport. Je me sens bien. Je sens que mon corps, il est fonctionnel. Tu vois, quand tu arrives à la fin, tu vois ton corps, tu fais « Ah ouais, en fait, ça va, je tiens. » Tu es content, tu es fier de toi. D'accord ? Même si que... Là, je commence à bien tenir. Je vais essayer de faire le niveau 2. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais si je le fais, je dédie une vidéo entière sur ça. De faire la même chose. Et à la fin, tu fais pareil, mais en descendant. Tu commences à 10, tu finis à 1. Ou alors, tu fais ça, tu prends une minute de repos et tu fais pareil en descente. Ça peut être intéressant, ça peut être pas mal. À voir. Tu sais, moi, j'aime bien me donner des petits défis comme ça au poids de corps, histoire de me sentir un peu plus fort, un peu plus puissant, plus performant. Parce que le poids de corps, les gars, c'est la base. C'est la base, surtout pour se tracer, être un peu plus veineux, être un peu plus strié, tu vois. Le poids de corps, ça aide énormément, d'accord ? Donc, c'est important de faire toutes ces conneries-là. Je sais que certaines personnes, ils vont se dire, ouais, bon, le poids de corps, c'est moins bien que la muscu. C'est vrai. D'accord, c'est vrai, je ne vais pas te mentir. Moi, si j'ai tout ce volume musculaire, c'est grâce à la musculation en priorité. Le poids de corps ne va pas m'aider à avoir un volume conséquent, ne va pas m'aider à être balèze. Mais quand tu es un peu balèze et tout, quand tu es bien, le poids de corps va t'aider à structurer un peu tout ça, à être un peu plus fort, un peu plus tracé, à te sentir performant. Et ça, c'est important. Juste après ça, on fait un finisher au battle rope. Très bon exercice, le battle rope. Du cardio histoire de bien se fumer. Alors pour ça j'ai fait 5 fois 20 secondes, d'accord, parce qu'avec ça tu travailles par temps, tu vas pas compter le nombre de cordes que tu tapes au sol, tu travailles par temps. 5 fois 20 secondes, 30 secondes de repos, ça fait super mal, ça fatigue, tu vois. Et j'essaye de faire avec les deux mains à chaque fois pour faire des bonnes vagues. Mais au bout d'un moment, je suis obligé de coordonner mes bras en même temps et de faire le même mouvement avec mes bras, d'accord ? De faire les vagues en simultané parce que ça fait trop mal. Et j'ai l'impression de récupérer quand je fais ça. D'ailleurs, quand on fait le battle rope, on fait tout ça. Au début, on commence à faire des cordes ondulatoires. Moi, je sais pas comment expliquer, mais tu le vois dans la vidéo. Au début, mes deux mains ne sont pas symétriques quand je fais le mouvement. Et après, ils sont symétriques parce que là, ça commence à faire mal. Et là, tu sens que c'est mieux, tu récupères mieux. Jusqu'à temps de lâcher la corde pour valider tes 20 secondes de travail. Alors pour ça, parfois je fais 30 secondes de travail. Parfois. Mais 30 secondes de travail, ça épuise trop, ça fatigue trop. Pour moi, ça c'est l'équivalent à un sprint. C'est comme si que tu courais de toutes tes forces rapidement. Au bout d'un moment, tu peux pas faire 30 secondes. C'est trop compliqué. Surtout quand tu mets 5 tours, c'est mort. 30 secondes, tu peux le faire une fois, deux fois, mais 5 fois avec un temps de repos faible, c'est mort. Et ça, c'est intéressant quand tu mets un temps de repos faible, parce que si tu mets une minute de temps de repos, 1 minute 30, ben là, l'endurance cardiovasculaire, il n'est pas travaillé de la même façon. D'accord ? Moi, j'aime bien travailler dans le mal, j'aime bien être dans le mal, et c'est important, parce que dans le cadre de ma formation, on nous met souvent dans le mal, et moi, j'ai besoin d'être dans ce mal-là, pour mieux le combattre plus tard. Donc c'est important. 5 fois 20 secondes, 30 secondes de repos. Donc voilà, ça c'est une petite routine que je me fais tranquillement après mes séances. Parfois le battle rope, bah, je mets de la so bike. Parfois je fais des squats statiques sans barre, sans poids, parce que mon genou me fait très très mal pour les squats. Et malheureusement, bah, je peux pas forcer et j'ai pas envie de forcer. J'ai une formation, me blesser, me coûter un report de ma formation me mettrait pas dans le bien du tout, ça mettrait dans le mal. Mais bon, on fait des squats tranquillement, on fait des fentes. Mon entraînement au poids de corps y varie, ok. Mais j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires avec un petit j'aime, un commentaire, peu importe. Abonne-toi si c'est pas fait. Et oui, prochaine vidéo, c'est important. Ça sera cet exercice poids de corps et ensuite. Je vais te faire des programmes basés sur des EMOM, d'accord ? Mais bon, je t'explique ça, pardon, dans l'autre vidéo, d'accord ? Prochaine vidéo, je t'explique ça. Ça va être cool.
programme ensemble. Ça fait longtemps, ça m'a manqué, vous m'avez manqué. Et comme c'est que mes programmes sont beaucoup vus, et ben, ça va faire plaisir, on sera tous bien. Ok? Bon, c'était une commande à faire sur mes protéines. J'allais oublier. T'as le code DAM, soit plaisir, c'est les soldes en ce moment. Mets-toi bien, c'est important. Ok? Et moi, je te dis, pars-toi bien et à la prochaine pour la suite.